complexe est en cours par la construction de l'interland. La poursuite aussi de la construction de nouvelles infrastructures en faveur de l'École nationale des postes et télécommunications, UMPT, dans le cadre du projet Plaza Diamond. Et que vous voyez derrière, vous voyez l'UMPT maintenant là, dans un état de développement total, et l'UMPT qui commence à émerger. Donc dans les 3-4 mois qui suivent, nous allons procéder à l'inauguration. Donc vous serez tous invités, mes chers collègues, mes chers camarades, mes chers compatriotes journalistes. Donc, le démarrage des travaux de construction et d'équipement de l'école normale d'instituteurs de Mamou, grâce à un financement du gouvernement japonais à travers la JICA. La JICA, c'est une institution de financement du Japon qui s'implique beaucoup du côté du gouvernement guinéen et qui nous a aidé aujourd'hui à obtenir ce bijou qui est en train de se construire à Mamou, ce qui vient compléter ici le nombre des élus. Parce que chaque région a son école normale des instituteurs. C'est le monde qui était un peu en retard, et Dieu merci, dans les mois qui suivent, nous allons aussi procéder à l'ouverture de ces écoles. Nous serons encore invités en amont. La mise en place d'un projet d'amélioration de la formation et de l'insertion dans les secteurs de l'agriculture et des mines, le projet PAFISA, financé par l'Agence française de développement, l'AFD, dans le cadre du CDD. Ce projet de 15 millions d'euros prévoit la rénovation, extension des infrastructures de 11 établissements dans le secteur de l'agriculture et des mines. Un DAO national pour le recrutement des entreprises doit prendre en charge ces travaux déjà élaborés. C'est-à-dire que le DAO est déjà prêt. Maintenant, ce DAO est en cours de validation par les partenaires, c'est-à-dire l'Agence française de développement de l'AFD. Et les établissements bénéficiaires sont, vous avez les ENAE, l'ENAE de Koba, de Tolo, de Macenta, les CFP de Benila, Fouya, Boké, Matoto, il y a l'ENA, que vous connaissez tous, le CEPATAM, le CFPP de Macenta et l'AMPET de Matoto. Dans ces 11 institutions ciblées, l'idée ciblée par le projet, il est envisagé l'installation d'équipements scolaires. L'installation, non seulement ces 11 institutions seront équipées avec des équipements modernes, mais il est envisagé aussi l'installation d'équipements solaires, ainsi que la fourniture de matériel et outillage, au fur et à mesure que la disponibilité des ateliers renouvelée. Sous les auspices du PAFISA, l'AMPET a réalisé la formation pédagogique de 147 nouveaux formateurs en planification et animation de leçons et de 40 formateurs en évaluation des apprentissages selon l'APC. Ce vaste programme s'inscrit dans la mise en œuvre de la politique de renforcement de capacités à travers l'amélioration des équipements et la qualification des personnels. La mobilisation des ressources engagées par mon département et l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, a permis la mise en œuvre du programme cadre de développement de l'apprentissage dans le secteur de l'artisanat. Ce programme est le fruit du partenariat avec le ministère de l'Autonomie, du Tourisme et Artisanat, ainsi que de la Fédération nationale des artisans du Guinée, qu'on appelle la FENAD, a permis de former 25 conseillers pédagogiques en méthodologie d'élaboration des programmes selon l'approche par compétences. D'adopter un programme cadre pour faire de l'apprentissage un véritable dispositif de formation professionnelle du secteur informel. Les stratégies développées s'appuient sur une rénovation dans les prochaines années de l'apprentissage traditionnel
dans 20 corps de métier. La mise en place de l'apprentissage dual dans 8 corps de métier dans le secteur de l'artisanat pour 28 000 jeunes apprentis à former en 5 ans. De même, offensive aussi de recherche de financement a été déclenchée en rapport avec plusieurs partenaires pour les équipements du CFP de Kouroussa et les postes primaires de Sigiri et de Guédouane, récemment construits à l'occasion des fêtes tournantes. En termes d'appui au secteur formel et informel, l'ONFPP, c'est-à-dire l'Office national de la formation, que vous connaissez tous, a réalisé une progression remarquable avec le passage du nombre d'entreprises cotisantes de 80 à 212, soit une augmentation de 165%. Les actions de formation continue sont passées de 38 à 182 et ont touché plus de 4167 employés du secteur privé. L'ONFPP a initié sur fonds propres un vaste programme d'autonomisation des femmes vivant en milieu rural et périurbain. Ainsi, 7000 femmes provenant de 52 groupements productifs situés dans 26 localités ont été alphabétisées, formées aux activités généralistes de l'UE. Ces groupements ont reçu des équipements d'une valeur globale de 11 milliards de francs. Ce sont 104 jeunes entrepreneurs en difficulté qui ont été aussi formés en module germe. Parmi les personnes vivant avec un handicap aussi, 17 artistes ont bénéficié d'une formation dans le cadre du projet handicapable de l'ONG au mérite. Mon département, qui a aussi en charge l'emploi et le travail, se déploie sous le front de l'accompagnement des demandeurs d'emploi, notamment dans l'insertion des jeunes diplômés, à travers une politique d'emploi soutenue en partenariat avec les milieux sociaux professionnels. Cette politique d'emploi est mise en œuvre activement par une des institutions de mon département, à savoir l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, AGIP, à travers son réseau de maisons de l'emploi et des compétences, mais créé dans les régions administratives du pays, pour une meilleure efficacité. Ce réseau, composé des agences de Kanou, Matam, Matoto et Ratoma pour la région de Conakry, et dans les chefs-lieux de région administrative à l'intérieur du pays. Elles sont toutes reliées par une base de données de plus de 30 000 demandeurs, dont plus de 10 000 ont bénéficié d'un service de l'AGIP. La recherche de financement pour compléter la construction équipement des 8 écoles régionales des agriculteurs, la mise en œuvre du projet de construction de 8 écoles régionales de santé à Conakry et dans les capitales régionales. Ce projet est précédé par la relance des infirmeries dans les établissements d'enseignement technique. Le lancement des travaux d'élaboration de la stratégie nationale de la formation agricole et rurale, la SNFA, en partenariat avec l'AFD à travers le CDD. L'élaboration de la politique nationale de l'emploi, l'élaboration d'un document de stratégie et de lettres de politique de développement, l'enseignement technique et la formation professionnelle, et la poursuite de la mise en œuvre d'une commission nationale de certification dans le cadre d'un projet régional d'harmonisation au niveau de la CDAO. Ces activités seront réalisées en partenariat avec l'UNESCO. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, autant d'activités réalisées et en perspective,
lui permettre d'espérer un large épanouissement de notre système de formation technique et professionnelle pour en faire un outil performant du développement de notre pays. Pour terminer, je voudrais demander de suivre une vidéo de quelques minutes qui a tout de suite été annoncée par le modérateur et ce qui va vraiment éclairer encore votre religion sur ce que nous sommes en train de faire, ce que nous allons faire et surtout ce que nous sommes en train de faire au niveau de l'enseignement technique pour le bonheur du jeune Guinéen, pour le bonheur du peuple de Guinée en entier. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention. Et après, je suis prêt à. Je suis à l'écoute de vos questions. Vous n'avez pas bien compris. Donc, il y a un peu plus de 3 ans. Vous savez, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a négocié avec le ministre Calor de Bousse. Au Maroc, financé par la BIT. Il y a eu 70 boursiers, 70 jeunes qui ont bénéficié de ces bourses, qui sont partis au Maroc pour étudier. Mais avant de partir, et ils ont signé un engagement. Engagement pour venir servir dans les écoles régionales des arts et métiers. Tous ont signé, les 70. Sont partis et il n'y a que 56 qui sont rentrés. Les autres ont pris la tangente, ils ont traversé la Méditerranée. Ce qui n'est pas une bonne chose parce que c'est l'État qui a mis la main à la poche pour leur formation. Mais à date, je peux vous rassurer que les 56 ont été engagés et au jour d'aujourd'hui, ils sont payés de la fonction publique. C'est 56 en question. Donc, le problème ne se situe pas sur la valeur numérique. C'est un processus qui continue. Ensuite, il y a eu un autre groupe de 90. Ces 90 sont partis étudier. Comme ils ont l'habitude, nous n'avons vu que 84. Les autres aussi vont essayer de traverser la Méditerranée. Et qui a condamné. Parmi les 84, nous avons demandé que chacun se présente avec ses dossiers au niveau des ressources humaines pour être engagé à la fonction publique. Nous avons enregistré 77. Ces 77, les dossiers ont été transmis à la fonction publique. Et aujourd'hui, le ministère de la fonction publique a traité les dossiers. Les lettres de confirmation budgétaire sont déjà parties au ministère des Finances. Donc, on attend seulement le retour du ministère des Finances pour leur engagement. Parce qu'on ne peut pas engager quelqu'un à la fonction publique si on n'est pas sûr qu'il sera payé. Sinon, ce n'est pas normal. On ne peut pas engager, on ne peut pas faire travailler quelqu'un sans le payer. Et je vous informe que tous ceux qui sont venus avant sont déjà dans les écoles. Ils sont en train d'enseigner en attendant que les érables finissent. Et nous allons livrer les 4 érables à la fin de l'année, c'est-à-dire vers septembre-octobre. Donc, le cours, en principe, doit commencer dans ces érables-là. Nous allons commencer à les utiliser dans les écoles pour lesquelles j'étais parti sur les formations au Maroc. Avec le financement, bien sûr, de l'État guinéen. Merci. Voilà. Le 3. Bon Dieu, nationaliser. Le Conseil national du dialogue social. Et dans ce Conseil national du dialogue social, tout le monde est représenté. Et là, ça sera une sorte de fusil qui va nous permettre vraiment de régler un peu en amont ces conflits-là. Donc, ça, la solution, nous pensons que la solution se trouvera à ce niveau. Mais qu'à cela ne tienne, la direction l'inspection générale du travail s'implique régulièrement. Je vous ai donné tout de suite les chiffres. Pour essayer de signer les accords, les protocoles. On vient d'en signer tout récemment avec le SNEC,
Et nous, en tout cas, nous faisons de notre mieux pour essayer de calmer les choses pour que le pays puisse aller de l'avant. Parce que nous avons besoin d'investissement. Et pour investir, il faut la paix, il faut le calme. Sans la paix, il n'y a pas d'investissement. Parce que quelqu'un a dit que l'argent a peur de lui. Et nous tous, ce n'est pas seulement l'inspection générale du travail, ce n'est pas seulement le ministère de l'emploi et du travail, y compris vous les journalistes, impliquons-nous tous à cultiver la paix pour que nous puissions avoir beaucoup d'investissements, beaucoup d'investisseurs aussi, et ce qui va créer le travail. Et là, vraiment, pour le bonheur de notre peuple, ne faites pas ça pour nous seulement. Je vous remercie. Merci.